Hello les amis, on part en bac. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. J'ai hyper hâte mais en même temps je suis hyper stressée parce que je sais pas si vous le savez mais j'ai une phobie énorme de l'avion. Cette phobie elle s'est développée il y a 4 ans je dirais. Et au début j'avais peur mais ça va. Sauf que maintenant j'ai très très peur. Genre là je sais que je vais pas bien dormir cette nuit parce que je prends l'avion demain. Donc il faudrait que je prenne des médicaments ou je sais pas. Mais j'ai une vraie phobie de l'avion. J'en suis pas encore arrivée au point de me dire que je prendrai plus l'avion et que je pourrai plus aller en vacances. Mais presque. Genre à chaque fois que je suis dans l'avion pour partir en vacances, je me dis ok, Elena kiffe parce que c'est le dernier vol. Bref, j'espère arriver à destination saine et sauve. Mais on va se concentrer sur mes petits vêtements d'abord. J'ai reçu deux petits colis PLT. Alors c'est ouf parce que j'ai reçu que deux petits colis. Alors j'ai fait une commande énorme. Mais vu que j'ai pris que des vêtements d'été, bah finalement ça prend pas trop de place. Donc voilà, on va déballer tout ça et faire ma valise. Mais je vous ai même pas dit où j'allais en plus. Je vais à Djerba avec toute ma famille. PLT, ça fait 3 ans que je commande chez eux. Franchement, je suis toujours contente. J'ai peut-être été déçue genre... 2 ou 3 fois, mais sinon sur tous les vêtements que j'ai commandés, et franchement Dieu sait que j'ai déjà en commandé au moins 200, je suis rarement déçue. Je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix incroyable. Il y a toujours je ne sais combien de nouvelles pièces sur le site tous les jours. Franchement il y en a plus de 1000. Forcément les vêtements, faut pas t'attendre à les garder genre 2 ans, parce qu'au bout de plusieurs lavages, ça perd en qualité. Mais en tout cas je trouve que c'est une super bonne alternative pour avoir les derniers vêtements à la mode, et en même temps pas cher quoi. Et c'est surtout que sur ce site, t'as tout. T'as des vêtements, des chaussures, des accessoires genre chapeau, lunettes, sac, tout. Et t'as même des produits de beauté. Genre vraiment, il y a tout sur le site, c'est hyper bien. J'ai tout déballé et j'ai trié tous les vêtements, donc je vous montre. Alors, premier maillot de bain, il est hyper canon avec des petits motifs comme ça. Donc la coupe est assez basique avec les cordons derrière. Et ce qui est hyper bien, c'est que j'avais déjà la chemise l'année dernière quand j'étais partie à Zanzibar. Je sais pas si vous vous souvenez. Du coup, j'ai pris le maillot de bain qui va avec. Ça va être trop canon. Et voilà comment ça rend avec la chemise. C'est hyper canon. Pour me balader dans l'hôtel, je pense avec un petit short en jean, un petit nœud à la chemise comme ça. Franchement, ce sera hyper joli. J'aime trop le motif. Et au niveau de la culotte, c'est pas en mode culotte, mais c'est pas non plus en mode tanga, c'est entre les deux. Ensuite, j'ai pris un maillot de bain rouge. Pour le coup, il n'y a pas plus simple, mais je crois que j'avais pas de rouge. Donc voilà. Et voilà porté. Franchement, simple et efficace. Il est trop trop beau. Exactement la même coupe. Que ce maillot de bain là, la culotte c'est vraiment pareil, devant et derrière. C'est juste que sur le devant là c'est un peu plus rond et là c'est plus en V, mais sinon c'est exactement pareil. Par contre on en parle de mes bras ultra bronzés et de mon t-shirt apparent. Là j'ai le bras blanc et là bronzé, c'est abominable. J'ai pris aussi un maillot une pièce, alors je vous l'accorde pour bronzer c'est pas le top, mais il fallait bien que je prenne une pièce assez instagrammable. Alors là comme ça, le maillot il en jette pas trop, mais je vais vous montrer porter. Franchement sur la mannequin du site c'était hyper canon. Il y a une bretelle ici, il y a ça qui passe du même côté que la bretelle, vous allez voir. Voilà du coup cette petite bombe atomique porte. Hop, et voilà, cette pièce elle passe du même côté. Oui oui, ça c'est normal, faut que je vous raconte, story time. Avant-hier, je suis partie monter à cheval et en fait j'ai mangé un arbre. Voilà. En fait la jument que j'avais, parce que moi mon cheval est blessé, donc la jument que j'avais, elle a eu peur des déchets qu'il y avait dans les bois. Ouais, il y a des gens qui sont pas très intelligents et qui mettent leurs déchets dans les bois, enfin bref. Du coup on est passé à côté, elle a eu peur, elle a fait un écart, elle a pris le galop et du coup j'ai mangé tous les arbres qu'elle a longés au galop. Donc j'ai le bras pas ouf quoi. Je suis un peu marquée du coup. Même là. Sous le bras. Même sur la main ici. Ça va être sympa pour aller bronzer. Mais bon, pas le choix. Voilà une petite combinaison en matière très légère et fait lin. Rayée et au niveau du col. Voilà comment elle se referme. Elle est hyper chic. Je vous montre les détails de plus près. Franchement la matière est vraiment hyper jolie, très agréable. On retrouve les détails des boutons juste ici. Et la fermeture derrière avec un bouton aussi. Après la petite combi de journée, voilà cette petite robe blanche pour aller dîner le soir. Elle est ultra canon. Elle est assez simple, ouverte juste ici pour faire un effet ensemble chemise-jupe. Mais c'est une robe. Elle s'ouvre sur le côté avec une fermeture et il y a les petits boutons ici. Et voilà portée. Franchement cette robe c'est un big crush. Elle est magnifique, simple, efficace et tellement classe. Au niveau de la taille, elle est très cintrée et ensuite sur le bas, elle s'élargit un peu. Franchement, la coupe est vraiment canon. La robe est très simple, mais la découpe ici, ça donne un petit côté sexy. Franchement, c'est magnifique. J'ai volontairement pas accroché le bouton ici pour vous montrer comment rendre le décolleté. Donc assez plongeant, mais toujours très classe. Et si jamais ça dérange, quoi qu'il, on a le bouton ici pour que le décolleté soit moins plongeant.
Franchement, c'est magnifique. Et surtout, point important, ça, quand je commande du blanc, c'est ma hantise, la transparence. Et là, pour le coup, elle est absolument pas transparente. Carrément, j'ai même pas mis de soutien-gorge et ça se voit pas, alors, pour vous dire. J'ai pris aussi cette petite combi, elle est hyper jolie. Alors par contre, vous m'excuserez, vu que ça vient de sortir du colis, c'est complètement froissé. Mais bon, vous voyez quand même à quoi ressemble le vêtement. Elle a l'air assez cintrée au niveau de la taille, on retrouve les boutons au centre. On retrouve deux petits supports ici, à l'intérieur de la combinaison, pour avoir cet effet un petit peu corsé et plus maintenu. Le col droit, et au niveau des jambes, en coupe droite également. Voilà la combi portée, donc on est à nouveau sur une matière lin. Franchement, c'est une matière qui est hyper canon en ce moment. Autant d'un point de vue visuel, c'est canon, et autant d'un point de vue confort, c'est hyper agréable à porter. La combi est assez simple, mais hyper jolie. Assez cintrée à la taille, on retrouve les boutons juste ici qui sont hyper canons. Par contre, c'est un petit peu moins pratique, on va dire que c'est le défaut de sa qualité. C'est pas une combinaison que je vais recommander à porter par-dessus un maillot de bain, à remettre et à retirer toute la journée pour jongler entre la piscine et la plage, parce que pour le coup, avec tous les boutons à ouvrir et à refermer toute la journée, c'est un peu relou. Mais sinon, rien à dire, elle est magnifique. Derrière, elle est pas transparente non plus. Franchement, j'aime trop. J'adore le côté col droit qui dégage toute la poitrine. C'est hyper canon. Et au niveau de la longueur, en plus, elle est vraiment parfaite. Pas trop courte, pas trop longue. C'est nickel. Histoire de vous donner un ordre d'idée, je mesure 1m65 et je porte XS, S, ça dépend. Je jongle entre le 34 et le 36, c'est pour ça que je sais jamais quoi trop prendre, soit 34, soit 36 sur le site. Après, ce qui est bien, c'est que sur chacun des articles, on a les mensurations de la mannequin avec sa taille et la taille de vêtements qu'elle porte. Entre les vêtements, je vous montre aussi les petits bijoux que j'ai commandés. Donc déjà, c'est hyper bien présenté, chaque bijou a son petit pochon. J'ai pris un bracelet et des boucles d'oreilles en acier inoxydable. Comme ça, je vais pouvoir les garder tout le long du séjour, ça va pas se transformer avec le chlore ni avec l'eau de la mer. C'est des petits anneaux comme ça, dorés, ils sont hyper canons. Et on a le petit jonc, on a le jonc simple allié au jonc torsadé, c'est hyper canon. Je vais les mettre tout de suite, je serai prête pour demain comme ça. Et voilà, portée. Et au moins, j'aurais pas besoin de me prendre la tête par rapport aux bijoux que je peux mettre et pas mettre. Là, pour le coup, je vais les garder tout le séjour. On revient sur une tenue de soirée. Pour le coup, quand je fais mes commandes de vêtements, j'essaye de prendre autant de tenues de journée que de soirée. Et là, j'ai pris cette petite robe noire satinée, simple et efficace. C'est le même principe que la blanche. On retrouve une petite fermeture sur le côté. Et voilà portée, elle est ultra chic. Là, c'est plutôt une robe style portefeuille avec le rabat un petit peu plus. La matière satinée comme ça, c'est hyper sexy. On retrouve ce côté un petit peu plus ample au niveau du décolleté. Mais voilà, sinon pas de détails particuliers, c'est une robe noire simple. Et au niveau du dos, elle met vraiment le corps en valeur avec la taille un petit peu plus cintrée et plus ample au niveau des fesses. Ensuite, j'ai repris un ensemble hyper simple. Au niveau de la couleur, c'est crème ivoire. Bon, vous m'excuserez encore pour les traces de pliage, mais ça vient juste de sortir du colis. Donc la chemise, pour le coup, il n'y a pas plus simple, en coupe droite. Et le pantalon, pareil, en coupe droite jusqu'en bas. Et la taille élastique avec le petit cordon. Alors voilà portée, au niveau de la coupe c'est un sans faute, j'adore le côté large etc, mais je suis assez déçue de cet ensemble. Premièrement puisque sur le site au niveau des photos c'était plutôt un ensemble gris pierre, et là comme je vous l'ai dit on a une couleur plus crème ivoire. Bon en soi la couleur me dérange pas parce qu'elle est assez jolie, mais du coup c'est pas vraiment conforme à ce que j'ai vu sur le site, et deuxièmement c'est beaucoup trop transparent. Là tu vois j'ai voulu rentrer la chemise à l'intérieur du pantalon, et on voit vraiment la chemise à l'intérieur. C'est pas très grave, mais je trouve que c'est quand même un peu trop transparent. Là, on voit toute la chemise sur la cuisse, quoi. Vraiment, c'est dommage parce que l'ensemble, il est hyper canon. Donc là, pour le coup, en guise d'ensemble de plage par-dessus un maillot de bain clair, ou bien en mode petit ensemble chill par-dessus des sous-vêtements clairs, ça passe. Et puis là, par contre, au niveau des jambes, même avec des chaussures compensées, c'est beaucoup trop long. Bon, sur 15 articles essayés jusqu'à présent, on est sur une déception. Niveau ratio, quand même, on est plus que bien. Mais carrément, la chemise est tellement longue que j'ai retiré le pantalon, et c'est carrément mieux comme ça. En mode petite chemise de plage. Ensuite, j'ai pris cette petite robe couleur crème en matière côtelée, un petit peu plus épaisse. Celle-ci, c'est plutôt pour porter le soir. Et voilà portée, la robe est ultra canon, elle est hyper moulante. J'ai pris une taille 34. Franchement, elle est trop trop belle. Au niveau de la matière, c'est hyper confortable, c'est de l'élastane à l'intérieur. Et ça tient assez chaud, donc pour une petite robe de soir, c'est parfait. Elle est couleur crème et au niveau de la découpe, juste ici, c'est contrasté par un marron. Franchement, c'est hyper joli. Et enfin, dernière tenue de ce petit haul. On est encore sur un ensemble en lin. Je crois qu'on a compris que j'avais un vrai crush sur cette matière. Couleur gris pierre, donc avec le corset à bretelles et la jupe. Et voilà, l'ensemble porté, il est magnifique. Vraiment, cet ensemble, il est ultra chic. Le petit corset est hyper bien taillé. Il est un petit peu plus bas sur le devant. Et au niveau du dos, il se ferme avec une fermeture.
Pour la jupe, c'est pareil, on retrouve une fermeture un petit peu plus discrète au centre de la jupe derrière. La jupe, elle se porte plutôt en coupe taille basse, donc ça laisse apparaître la taille sur le côté, c'est ultra sexy. Franchement, j'adore. Autant en tenue de journée avec des petites sandales que le soir avec des petits talons et une petite pochette, c'est hyper classe. La jupe est fendue sur le côté gauche et au niveau de la longueur, elle arrive au niveau des chevilles. Donc franchement, c'est la longueur parfaite. Voilà pour mon petit haul, c'est terminé. Globalement, je suis assez contente, mis à part l'ensemble couleur crème ivoire qui m'a un petit peu déçue. Franchement, tout le reste, c'est parfait. Faites attention quand vous commandez, les amis. En dessous de chaque article, vous pouvez cliquer sur détails du produit et également matière et entretien pour savoir s'il y a du polyester à l'intérieur ou bien de l'élastane et avoir un petit ordre d'idée de la matière pour savoir si c'est élastique ou non et savoir si on prend notre taille habituelle, voire plus, voire moins. Et pensez aussi à vous référer à la taille du mannequin dans la rubrique détails du produit, pareil en dessous sur la page produit. Vous avez la taille du mannequin, donc ça va pouvoir vous aider aussi pour vos commandes. Bon, voilà, en tout cas, je suis hyper contente et maintenant on va aller mettre tout ça dans la valise. Bon, j'ai pris une grosse valise comme ça, j'ai jusqu'à 25 kilos donc en vrai je pense que je devrais m'en sortir. Alors souvent moi ce que je fais pour remplir la valise, j'essaie de m'organiser à l'avance pour optimiser au maximum l'espace. Donc en fait je prévois toutes mes tenues de jour et de soir à l'avance. Donc là on a toutes les tenues de journée avec les maillots de bain, toutes les tenues de soir et juste en dessous les sacs à main et les chaussures correspondantes. Et croyez-moi que c'est un gain de place et de temps énorme. J'ai pas besoin de me casser la tête une fois arrivée sur place sur quelle tenue je vais mettre. J'ai déjà tout prévu à l'avance et comme ça j'emmène pas de vêtements en plus. J'ai prévu une pile de vêtements en plus genre pour faire du contenu aidé au cas où, mais sinon j'ai déjà tout qui est prévu. Ça c'est l'étape numéro 1. Une fois que toutes mes piles sont faites, là je peux dispatcher chacun des vêtements. Pour les dispatcher et les organiser dans la valise, j'ai trouvé ces petits contenants de valise sur Amazon. C'est hyper bien. Ça fait plein de petites pochettes. Donc j'en ai pour les sous-vêtements, pour les maillots de bain. J'en ai un petit peu pour tout. Et c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver et bien ranger dans la valise. Et aussi quand je fais des commandes et que je reçois des petits sachets comme ça pour les vêtements, souvent je les garde parce que je trouve que les petits sachets comme ça c'est ultra pratique. Là en l'occurrence on va s'en servir pour mettre les maillots de bain. Voilà, les maillots de bain c'est fait. Là j'ai préparé une autre pochette pour mes sous-vêtements. Là je prépare une autre pochette pour les produits solaires maintenant. Le mieux pour moi c'est vraiment de faire des petits compartiments pour bien s'organiser et pour ne rien oublier, souvent je fais une liste. Je fais une liste comme ça sur l'iPhone. Donc il y a la partie documents avec tous les documents qu'il faut prendre, donc genre passeport, carte d'identité, enfin bref tout ce qu'il faut prendre. La trousse de toilette, donc avec tous les produits dont j'ai besoin. Le compartiment divers, donc les chargeurs, les téléphones, les ordinateurs, les mouchoirs, enfin bref tout ce qu'il faut. Et enfin les vêtements, donc avec les tenues de jour, de soir, de sport, chaussures, chapeaux, tout ça tout ça. Et avec cette liste au moins j'oublie rien du tout. Et une fois que toutes les pochettes sont prêtes, là seulement on peut commencer à remplir la valise. Les tenues de jour. Les tenues de soir. Les maillots de bain. Les sous-vêtements, les vêtements au cas où en plus, sur la petite partie restante, le lisseur et le sèche-cheveux. On va pouvoir passer de l'autre côté. Ici on va mettre les chaussures, là j'ai refait deux pochettes avec les chaussures plates et les chaussures à talons. Une pochette avec tous mes sacs à main, le petit panier par-dessus. La trousse de toilette, la petite trousse pharmacie, les crèmes solaires, ma lumière, tous les produits liquides genre gel douche, un petit chapeau et ma trousse à maquillage à l'intérieur pour pas le déformer. Et voilà, on va pouvoir la fermer. Verdict, on va faire la pesée maintenant. Je fais 54. Dès que j'ai le droit à 25 kg, du coup, faut que ça dépasse pas 80. 26 kg. Ça va, pour 1 kg, peut-être que je vais tomber sur une personne cool à l'aéroport. Là, 1 kg, je peux pas retirer plus. J'ai fait un petit gommage à la douche pour pouvoir bien préparer la peau à prendre le soleil. Il est hyper bien celui-là. Et c'est de la marque Pinup Secret. Une fois que j'ai terminé le gommage, en sortant de la douche, je mets la petite crème Mixa pour avoir un effet bronzé, histoire de pas être toute blanche sur la plage. Et voilà. Pour voyager, j'ai mis un petit body PLT, hyper confortable la matière, un petit jogging, j'ai prévu un petit sweat au cas où j'ai froid, et je vais mettre une paire de baskets.
Voilà, mon sac à main aussi est prêt. Dedans, j'ai mon chargeur, mon portefeuille, labello, mouchoir, des chewing-gums, et voilà. Et pour ce qui est passeport et tout, j'avais plus de place, donc j'ai tout mis dans le sac à dos de mon frère. Tout est dans ce sac, et mes petites lunettes, je les ai mises ici, dans les petites pochettes. Bon bah voilà, ça y est, je suis prête. La tenue est enfilée, le sac est prêt, la valise aussi, c'est tout bon. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très vite.